Les entraînements individuels Drivetronic, qui équipent un nombre croissant de composants sur la machine, assurent un calage extrêmement rapide et un débit de production d'une grande stabilité, pouvant atteindre jusqu'à 18 000 feuilles par heure. Le concept novateur Drivetronic est présent dès le margeur sans arbre. Les quatre servomoteurs indépendants de la machine commandent la montée de piles, les feuilleteurs ainsi que la table à cordons aspirants. Le margeur comprend en outre des fonctions de présélection très perfectionnées et tous les pré-réglages concernant les supports d'impression. Le margeur Drivetronic Feeder est donc conçu pour répondre à la fois aux exigences de rapidité du changement de travail et à celles d'une production industrielle. La marge sans guide latéral Drivetronic Sidelay met elle aussi en œuvre cette technologie d'entraînement individuel d'avant-garde. Ne nécessitant absolument aucun réglage, elle laisse davantage de temps pour l'alignement des feuilles, tandis que Drivetronic Infeed permet le réglage motorisé de la marge et des taquets frontaux sans intervention manuelle. Avec Drivetronic SPC, les entraînements individuels équipent aussi des groupes d'impression. Le changement de plaque simultané permet non seulement de limiter la durée de cette opération à une minute à peine, et ce quel que soit le nombre de groupes imprimants, mais également de réduire encore nettement la durée totale du changement de travail grâce à l'exécution parallèle des différentes tâches. En l'espace de 5 minutes, les cylindres d'impression, blanchets et rouleaux sont lavés, tandis que s'effectue en parallèle le changement des plaques. Une nouvelle génération de presse. Une technologie KBA. Le début d'impression est par ailleurs réglable électroniquement et le registre circonférentiel est piloté automatiquement. Le nouveau système de détection des plaques Drivetronic Plate Ident garantit un changement de plaque très sûr et procède de plus préalablement au lancement du tirage à un pré-réglage automatique du registre à partir des marques de repérage ajoutées sur les plaques lors de l'insolation.